Les amis, j'ai trouvé de nouvelles informations croustillantes sur Garten of Banban. Et oui, parce que le petit rat Oui-Oui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de se faufiler à travers les mailles du filet pour trouver peut-être des informations peut-être croustillantes que personne ne sait. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, les amis. Bref, j'espère que vous allez bien, les amis. Nouvelle vidéo. Ah, je me suis fait mal. Ça commence. Nouvelle vidéo sur Garten of Banban. On va pas réellement aller sur Garten of Banban. On va regarder des animations. On va regarder des fan animations. Peut-être des infos révélées, je ne sais pas. On va voir si c'est vrai parce que il y avait des animations que j'avais réagi sur le chapitre 2 de Poppy Playtime qui étaient réellement vraies. Donc peut-être qu'on va voir de nouvelles informations qui vont être prédites, je ne sais pas. Seuls ceux qui n'ont pas peur de Garten of Banban peuvent lâcher un like. Donc lâche ton like si tu veux. On est parti, j'espère que vous êtes prêts. Let's fucking go. Première animation, les amis, c'est de Jusik. Voilà, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai trouvée sur Garten of Banban. J'étais même pas abonné, donc on s'abonne. Voilà, on met le petit pouce bleu et on va aller regarder sa vidéo qui s'appelle Garten of Banban Orange Stinger Furin, Chapir. Bon, bah, on est parti, let's go. Apparemment, il a vu un nouvel. Un nouveau monstre de Garten of Banban. C'était quoi? Ah! Teddy? Teddy Bear? Teddy le nounou? Ah! Une araignée. Oh! C'est une araignée? C'est quoi ça? C'est quoi ça, les amis? Attends, mais c'est BCP. Mais c'était quoi ça? Wesh, mais il est immonde! Ah, on dirait un flageolet qui. Ah, ça dégoûte! Ah, mais regardez son gros nanoeil. En vrai, c'est super bien fait. Je pense que en vrai, c'est fake parce que je vois la télécommande. Elle est pas parfaitement comme dans le jeu, donc je pense que c'est fake. Enfin, je veux dire, il a pas fait un truc directement dans le jeu. Je pense qu'il a fait tout 3D, donc honnêtement, c'est super bien fait. Bon, j'ai mis un pouce bleu, j'allais dire, je vais remettre un pouce bleu, mais je l'ai déjà fait. On peut pas mettre deux pouces bleus. Mais du coup, en vrai, c'est super bien fait. Putain, mais regardez. Je sais pas comment. Je lui ai venu l'idée. De cette espèce de monstre orange. Il a pris un petit peu appui parce qu'il ressemble beaucoup aux autres monstres qu'on voit sur la fresque. Les 6 monstres avec le vert, le bref, tous les monstres. Il y a un peu la même apparence, donc un peu alien, on sait pas trop d'où ça vient. Donc honnêtement, c'est validé par Oui-Oui, voilà, par Oui-Oui la street, comme on peut dire. Bref, ne nous arrêtons pas là, les amis. Continuons sur cette lancée. Nous allons regarder une prochaine animation. Prochaine animation, les amis, c'est de Sail Playtime. C'est une nouvelle chaîne YouTube également que j'ai découvert. Donc on s'abonne et on va aller regarder la vidéo qui s'appelle Meeting with Captain Fidel, Garten of Banban chapitre 2 gameplay. Écoutez, apparemment c'est un gameplay du chapitre 2 de Garten of Banban. Il a pas dit que c'était une fan animation, donc on met le pouce bleu, on va regarder si c'est fake ou pas. Sortez votre pipa fake, les amis, et on va aller enquêter pour voir si c'est du fake ou pas. Wesh, mais c'est le... Mais c'est Banban du chapitre 2 qu'on voit dans la page team qu'on avait regardé ensemble. Ah, il a disparu. Vous sentez le caca, les amis, ou pas là? Est-ce que vous sentez le caca? J'allais dire vous sentez la M-E-R-D-E, mais faut pas dire de gros mots, sinon les amis, ma vidéo va être démonétisée. Donc bon. Oh. Oh, what? Ok, il saute quelque part. Ah, il était dans un élévateur, donc dans l'ascenseur. Dangereux. Ah oui, mais regarde en dessous de toi, frérot. What? Secret room? Qu'est-ce que... Comment il a fait pour y aller? Il y a même pas de... Oula, je le sens mal. Je le sens mal. J'ai peur même. J'ai peur. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck? C'est trop bizarre. Ok, parcours zone. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est une sorte de death run. C'est stylé de fou. Ouais, c'est trop stylé. Saute. Wow. Oh, il a failli mourir. Attends, mais comment il a fait? Et ouais, c'est abusé. Putain, je me demandais si c'était moi le truc en bas à droite, mais non, c'est pas moi qui... Il y a l'espèce de logo Drake. Mais c'est trop bien fait! Regardez, ça, c'est les fameuses chaises. Oh, une télécommande dorée. Ah! Pourquoi il y a le truc de Hopi la Bird? Il y a le logo de Hopi la Bird. What? What? C'est quoi ça? Oh. Wesh! Oh, Didier! Mais qu'est-ce qu'il fait, Didier? C'est Didier, il a trop forcé sur la bière. Du coup, il est énorme, il a un bide à bière énorme. Oh, Didier! Oh, viens faire la bise, oh, Didier. What?
Et what the fuck. Et en vrai c'est trop stylé hein. Regardez, il y a des Didier de partout là. Et en vrai c'est vraiment stylé. Cette animation honnêtement il se l'est donné. Donc rien que pour ça. Bon j'allais dire je vais mettre un pouce bleu, mais j'ai déjà mis un pouce bleu. On peut pas mettre 2 pouces bleus. Si on pouvait mettre 2 pouces bleus les amis, j'aurais été le premier à le faire et j'aurais été le premier à vous le demander. Mais malheureusement on peut pas mettre 2 pouces bleus. Peut-être que ça arrivera un jour, je ne sais pas. En tout cas, on va passer à la prochaine animation. Prochaine animation les amis, on repart sur Jusik. Voilà, on va refaire une animation de lui parce qu'il a fait des animations totalement incroyables. Donc on va aller réagir à son animation qui s'appelle Banbalina. Je sais pas ce que c'est. Lui en tout cas il précise que c'est une fan-made animation. Donc bon, contrairement à l'autre où c'était potentiellement du fake, là c'est pas du fake. Donc enfin si c'est du fake, au moins on le sait, c'est sûr et certain. Donc on met le pouce bleu et on est parti pour réagir à son animation. Ok. Il arrive dans un toboggan, c'est penser un peu à Poppy Playtime. Oui voilà, un toboggan c'est penser à Poppy Playtime, je sais pas pourquoi je dis ça. Ok, un toboggan qui va tout vers la droite, ça c'est horrible les toboggans comme ça, ça me fait mal au crâne. Ok. Ouais. Oh. Alors là, est-ce que vous sentez le caca les amis? Wow. C'était quoi ça? Non, c'était... Tu vas se retourner. Putain. Non, j'ai dit putain, non, je le redis, non, j'aurais pas dit. Oh là 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 là, je vais me faire de mes. Non, en vrai, ça sera coupé au montage, mais du coup, putain, ça m'a fait trop peur. Wesh, mais regardez comment elle arrive d'un seul coup là. Bam! Non, c'est fou. Ouais, non, mais par contre, elle fait méga flipper. Eh, hey, mais en fait, on dirait lui, enfin, on dirait Ban Ban, mais version fille. Peut-être qu'il y aura une fille, je ne sais pas. En version blanche, en vrai, c'est stylé. Pour une fois que, bon, il y a le chouchou rose, j'allais dire, pour une fois que c'est pas tout rose, cliché, tout ça sur les filles en mode, ouais, faut qu'il soit rose, sinon c'est pas une fille. Bah là, elle est toute blanche avec un petit nœud papillon. C'est stylé. En vrai, c'est stylé. Pourquoi pas? Je dis pourquoi pas. Donc, honnêtement, cette animation est validée par la street. Oui, oui, les amis. Oui, 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 vous avez bien entendu. Bref, on va passer à la prochaine animation. On continue sur cette bonne lancée. Prochaine animation, les amis. C'est de Sail Playtime. Voilà, on fait un 1 sur 2 entre Jelly et Sail Playtime. On fait 1 sur 2. Donc, on va regarder Opila Bird Needs Help Garten of Banban chapitre 2 gameplay. Et ben, on est parti. On met le petit pouce bleu et on va regarder tout ça. On va voir si c'est du fake. Apparemment, Opila Bird a besoin d'aide. Donc, on va aller voir. Tout simplement. Ok. Oh, là, cette fois-ci, il est vraiment dans le jeu. Ok. Stylé. Donc, là, il est réellement dans le jeu. Ouais, il se fait poursuivre par Opila Bird, ça je l'avais déjà vu. Oh what? Oh what? Incroyable! Attends mais what? Bah attends mais j'ai trop envie d'essayer. Ok, là il se casse la tronche. Attends mais j'ai trop envie d'essayer, putain mais c'est incroyable. Comment il a mené en bateau, c'est incroyable, je veux trop essayer. C'est trop stylé. What? Ok. Ah mon ref, j'ai pas l'impression que ce soit... Ah si, ah peut-être. J'ai l'impression que c'est... Ouais, en fait j'arrive pas à deviner si c'est réellement... What? J'arrive pas à deviner si c'est réellement le jeu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que là je ne sais pas. Je ne sais pas. What? Il y en a 4, il y a 4 trucs à faire. Non, c'est trop stylé. C'est incroyable. Ok. Il s'en va. Ouais. Il va où là? Mais où il va? What? What? What the fuck? Mais pourquoi il y a... Attends, c'est pas les ordinateurs qu'il y a dans la pièce, là, qu'on voit? Dans toutes les pièces, au final? Non! Oh, puis la bird! What? Oh, wesh. Attends, mais j'ai trop de questions, là, mais comment il a fait tout ça, les amis? Mais c'est incroyable, regardez, il a carrément créé... Enfin, je sais... Ouais, il a créé, bah, j'allais dire, non, c'est pas possible que ce soit une vraie pièce, mais regardez, il a carrément créé, genre, toute une pièce avec les ordinateurs qu'on voit, etc., dans les salles. Et là, il y a Opila Bird et il commence à se lever, il a animé Opila... Oh, non, c'est... Attends, les amis, c'est totalement incroyable. Je trouve ça vraiment de toute beauté, mais à la fois super terrifiant. Bon, bienvenue, les amis, ça va être la fin de cette vidéo sur Garten of Banban, sur des animations
animation de Garten of Baban. C'est la première vidéo où je fais des animations dessus. J'espère que ça vous aura plu, un peu comme sur Poppy Playtime à l'époque où ça avait extrêmement bien marché, ça vous avait extrêmement plu. Donc pourquoi pas refaire ça sur Garten of Baban. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue. En attendant, il est temps pour moi de vous laisser là les amis. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Faites très attention à Hopi la Bird. Ciao ciao.